Besoin de toi. Mon pote Danny Trejo est à Yara pour aider notre cause, mais les militaires le font chier. Danny Trejo? As in Machete Danny Trejo? As in Trejo from Heat? As in Navajos from Desperado? Fuck off, Juan. Calme-toi, on se connaît depuis un bail. On n'arrête pas de picoler depuis qu'il est arrivé. Bon, lui, il picole pas, mais c'est pas grave. Il est là. Not that I believe you at all, but if you two are such good friends, why don't you help him? Parce que la seule chose qui est mieux qu'un Danny, c'est d'en avoir deux. Il est à la ferme des crocodiles, Rey del Diente, à Barrial. Dépêche-toi. Non mais attends, hey, les gars, il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses, les amis. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous êtes tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve, je crois, pour le 36e déjà épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Attendez, mais elle a parlé, elle a pas parlé français là, notre Dani, là, on est bien d'accord? Attendez, parce que j'allais commencer ma vidéo, j'ai pas eu le temps d'enregistrer tout de suite. Il y a une conversation qui s'est lancée, moi j'ai rien compris. Il y a Juan qui a besoin d'aide, en tout cas l'ami de Juan apparemment. Alors j'ai pas prévu de faire ça, pour être très honnête avec vous. Ah, ça va nous débloquer la dernière partie de la map, d'accord. Mais on va pas suivre ça, on fera ça ultérieurement. L'acteur hollywoodien se fait embêter par l'armée, allez voir ce qui se passe. On fera ça, mais pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est chill. J'ai envie qu'on se fasse les cibles militaires, parce que sinon là vraiment on va finir le jeu dans 3 épisodes et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc on va prendre notre temps, on va temporiser. J'ai fait cet avant-poste, à moins qu'on l'avait déjà fait en vidéo, je sais plus. Par contre là j'ai fait une tour de contrôle. C'était une tour de contrôle, un poste anti-aérien, vous savez, donc là il y en avait un, je m'en suis occupé en off, il y en a aussi un là, qu'on va faire en vidéo, il y en a aussi un là, enfin bref, on va vraiment enchaîner les cibles militaires aussi dans cet épisode pour vraiment y aller à la cool, et on va commencer par cette embuscade et on montera là-haut, enfin vous voyez comme ça on va un petit peu explorer, et c'est très joli par ici, c'est très très joli, donc voilà, je voulais absolument commencer cet épisode ici, mais alors par contre, il y a un bug avec la VF et la VO, et ça c'est chiant quoi. J'espère que c'était juste un bug pour ce dialogue, parce que Dani, j'aime bien l'entendre parler français quoi. Parce que depuis le début de l'aventure, on l'entend en français, là elle nous parle en espagnol, frérot, c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous êtes tous très bien en tout cas les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, on va prendre un bateau hein. J'ai pas envie de me faire bouffer par les requins, moi je vais pas vous mentir. Alors, s'il y a moyen évidemment de monter. Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs, une petite parenthèse. Mais ça va le faire, mais c'est vrai que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas joué pour le coup. Hein. Ça doit faire vraiment 5 jours que j'ai pas joué. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à temporiser. Et c'est vraiment un plaisir de retourner ici quoi. C'est vraiment un plaisir de retourner ici. Je m'en rappelle que là c'est un petit peu triste les décors. Ça fait vraiment forêt amazonienne déforestée, ouais je m'en souviens. Merci encore pour vos retours. Je suis très content de comment ça se porte en fait. Il y a toujours la même audience fidèle. Qui suit le let's play et je vous en remercie énormément. Ça évidemment on va pas s'occuper de ce camion. Nous on va s'occuper base des FND. Ah mais voilà, ça c'est cool. Il y a une base juste à côté qui vient de nous être dévoilée. Et ben on va commencer par celle-là. Voilà, on va s'en occuper. Voilà, donc vous l'aurez compris aujourd'hui dans cet épisode, ça va vraiment être les bases et les petites embuscades, les trucs un peu chill quoi. Enfin chill. On se comprend hein. Enfin je dis chill, on se comprend, mais disons. Ce qui va pas faire avancer l'aventure. Enfin, si, on va être dans un confort. Parce que du coup, on va tout débloquer. Mais justement, voilà. Ça nous permet de pas finir le jeu en 2-2, quoi. Parce que là, vraiment, c'est un petit peu terrible. J'ai pas envie d'arrêter ce let's play, pour être très honnête avec vous. Clara, je suis vers une sorte de chantier naval dans les collines Robustas. Les collines Robustas. Les hommes de Castillo y démantèlent des navires pour les pièces. Va voir si tu trouves l'ordinateur du navire et télécharge ce que tu peux. Toute information nous sera utile. Avec grand plaisir, Guillaume. Salut les gars. Ils savent pas rouler, eux. Avec grand plaisir, on va hacker un ordinateur. Trop bien. Trop bien. Ok, il y avait une alarme ici. J'aurais bien aimé qu'elle soit scannée. Ah non, elle est là. Là, on a des prisonniers. Enfin, des prisonniers. Des esclaves, disons. Neutralisons l'alarme. Voilà. Alors, combien il y a d'alarmes? Très bonne question. Je dirais une. Ah, il y en a une deuxième de l'autre côté. Ok. C'est bon à savoir. Allez, on y va. Évidemment, on va essayer de s'infiltrer un maximum. Oh, c'est les caméras. Une caméra. C'est les caméras qui me font un peu peur. Il y a un sniper là-haut. Je t'ai vu. Oh, ah ouais.
Ça va être assez complexe. Ouh, il va être compliqué celui-là. Il va être compliqué celui-là. Attendez, on va honorer l'idole. Il est où le machin? Il est en haut? Ah, attendez, parfait. On va prendre notre temps. Les amis, c'est vrai, j'avais zappé. J'avais fait un épisode d'une heure et demie. Et vous l'aviez apprécié. Du coup, non mais ça sert à quoi ça? Ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Mais je l'ai fait. À quoi ça sert? Oh, ça sert à démanteler tous les machins, non? Pour savoir où sont les ennemis et tout, je crois, non? Y a moyen, hein. J'ai toujours pas compris, mais je pense que c'est ça. Ouais, du coup, bah aujourd'hui, on va quand même se faire un épisode assez long. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, donc prenez à boire et à manger, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à faire des pauses. C'est toujours plus sympa. Moi, j'ai extrêmement peur des caméras. Hein. Et des pièges. Oh, lui, on l'avait pas vu. Moi, c'est les caméras qui me font peur. Voilà. Chut, dis rien. Attends, l'outil gueule, il est sérieux là? Bon, ça va, l'intelligence artificielle, ils sont un peu cons. On a eu chaud. Où est l'alarme? Je suis un peu dans la merde, hein. Bah ouais, mais vas-y, mais réagis un peu, non? Ok, bon, bah j'ai tout capoute parce que ce jeu se fout de ma gueule. Voilà, l'alarme a été déclenchée, c'est parfait. Voilà, on est bien cramé. Fais attention, Danny. Les soldats mettent le cap sur ta position. Mais t'inquiète pas. Bon, alors hélicoptère, mon pote. On va pas y aller par quatre chemins. Voilà. Ça c'est fait. Allez, vous me faites pas peur. C'est fini. C'est chez moi. Une clé, c'est bon, elle parle français. Elle reparle français. Attendez, ça me gratte le nez, je suis dans la sauce. Voilà, excusez-moi. Bon, ça va pas être très compliqué. Par contre, j'espère que les prochaines bases, on y arrive mieux. Parce que là, je me suis fait cramer comme une merde. Tiens, l'ordi. Toujours en train de hacker. Bon, il est où le machin qui me crame depuis tout à l'heure? Ah, mais c'est la caméra en fait, ok. Bon, allez, là, qu'on en finisse. Ok, l'ordi c'est fait. Bon, normalement, on a réussi la mission. Vu que j'ai le réflexe d'aller vers l'ordi tout de suite. Hein. Il est où le dernier? Ah, ils viennent tous du même côté, c'est con. Allez, il doit rester encore. L'ordinateur du chantier doit contenir des infos. Ouais? Attends, me dis pas qu'il faut que je détruise la caméra. Voilà. Et maintenant? Oh non, me dis pas que tout est bugué, hein. Aïe! Ah non, il reste encore. Sérieux, c'est juste à cause de lui là? Merde, un camion! Oh, mais c'était complètement con. Ah oui, non, mais là par contre. Alors là, c'était complètement con. Dis-moi que tout est sécurisé quand même. Ce serait quand même assez sympa. Capturé, très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et. Ok, renseignement téléchargé. Check, c'est bon. On a quand même réussi. Parfait. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas échoué ces trucs-là et c'est plutôt cool. Bon, bah voilà. Ici, c'est chez nous. Putain, eh, on a fait la guerre là. Là, on a fait la guerre, hein. Y a des caisses à récupérer. J'ai pas fait attention. Ça doit être là-dedans, là. Ouais, ça doit être là-dedans. Moana. Hop.
elle est là. On récupère tout ce qu'on peut évidemment récupérer. Oh, une GP13 auto. C'est un pistolet automatique. Rien à foutre. Ok. Allez, on s'arrache. Personne veut nous parler là? Non. Personne veut nous parler, très bien. J'ai une nouvelle info pour toi. Qu'est-ce que tu sais? Camarade, il se dit que tu sais détruire les postes de contrôle. L'armée en a installé un pas loin d'ici. Eh, merci. Eh, merci, frérot. Merci. Il est où ton pas? Il est juste à côté sur le chemin. Eh bien, on y va. On y va. Il y a 500... 200 mètres. Ah, ça fait plaisir. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire que ça. Et c'est super. Parce que là, on va vraiment explorer toute cette partie de la map. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, moi, ça me fait plaisir. On est vraiment dans... Il n'y a que des châteaux forts ici. Hein. Il n'y a que des châteaux forts. Il se passe quoi, là? Ah, ils sont en train de faire un petit footing. Ah, c'est trop stylé. Ils font vraiment footing. Ah, c'est rigolo, ouais. Fort original. Allez, bienvenue. Bienvenue. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a toujours qu'une seule alarme ici. Repéré. Oh, le petit snipouze. Le petit snipouze. Mais attendez, mais il n'y a personne. Il n'y a même pas d'alarme. Je suis aveugle. Elle est là-haut, l'alarme, je suis aveugle. Très bien. Regardez bien, ça va aller très très vite. On va passer par là. On va passer par derrière, ça va être stylé. Eh, on va essayer de faire ça stylé aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on peut faire de manière stylée, on le fait. Là là là. Oh, il y en avait un là. Sergent Cruz. Et non pas Tom. Le Tom Cruise. Hop, regardez bien. Ça va aller très très vite. Voilà. Voilà. Ah, je vais faire ça stylé hein. On va le faire. Hop, ça dégage. Toujours un bonheur. Et ça, ah bah bien sûr, n'oublions pas. Hop. C'est chez nous. Le RPG bien sûr, toujours plus. Toujours plus les gars. J'adore ce jeu. J'espère que vous kiffez à fond. J'espère que je vous fais... Disons c'est pas que vous kiffez à fond parce que je sais que vous kiffez ceux qui suivent jusqu'ici. Mais disons, j'espère que... Comment dire, que je vous retransmets tout le bonheur. Voilà, tout le bonheur qu'il y a derrière. Ça dégage! On veut pas de vous, là! On veut pas de vous! Bah alors? Un impact, une fissure? Carglass répare? Carglass remplace? Attendez, je vous le répare si vous voulez. Hop! Ah. Et voilà, il est remis sur pied comme neuf. Et regarde, il y a même plus de fumée, mon pote. Je suis... Eh, franchement, Bob le bricoleur. Alors, on continue. Et eh bien voilà, on récupère de la poudre à canon. Et on va continuer. On va continuer. Direction nom de code sucrier. On va tendre une embuscade. Bon, là, il y en a une qui va arriver. Je me casse. Ciao! Ciao, bambino! Oh non, attendez! L'autre, il veut me parler, c'est vrai. Attends, t'as besoin d'aide, frérot? Hop! Voilà. Eh, ni vu ni connu. Oh, mais quelle précision. Je suis là, frérot. Je suis là, frérot. C'est bon, tu sers plus à rien. Repos! Repos. Allez monsieur, repos. Oh regarde les bibis qu'il a. Ça c'est des beaux bibis ça. Allez frérot. Frérot, parle-moi. Eh, ching chang. S'il te plaît. Eh, il me fait penser dans Squid Game, l'acteur principal. Mais c'est carrément lui en fait. Allez là, frérot. Je vais t'enculer, pardon. Allez. T'as des infos pour moi? Danny, ça te dit de buter des enfoirés de soldats? On monte une équipe pour leur tendre une embuscade et on veut les meilleurs. On a besoin de toi. Merci bien. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, et c'est où? Ah bah c'est, ce sera toujours sur le chemin. Allez, on commence par la première embuscade. On va y aller à cheval. Parce que à cheval, c'est la classe. Et puis j'ai pas envie de faire 500 mètres à pied, pour être très honnête avec vous. Mo, c'est un nouveau cheval. Trop mignon. Salut le cheval. Salut le cheval, ça fait beaucoup de cheval. Hein. Ça me donne faim. Allez. C'est bon. Je rigole. Bien. Hey, je rigole les gars, je mange pas de cheval moi. C'était une vanne hein. Les Chloé, hein? Hein? Oh, je vous vois venir. Allez, on y va. Putain, il a du mal en tout cas le cheval. Hein. Il en a pas dans le mollet. Hein. J'aurais dû prendre le zèbre. Punaise, elle est trop stylée cette route là. Hein. Ce petit chemin. Oula. Doucement. Arrête-toi. Oh, waouh! Et il met un coup de pression lui quand même un peu, non? Commence.
Il met un petit coup de pression quand même. Ok. Du coup. Ça. Hop, ça dégage. Voilà. Next. Voilà. Oh, il va se calmer, hein. Il y a un petit sac à récupérer là aussi. Là. Là, je l'ai vu. Non, pas du tout. Chaque fois, je trouve jamais celle-là ici. Super. Un petit peu de. Oh, gants de baseball, breloque. Super. Formidable. Je suis là, mon bébé. Continuons. Allez. Par derrière, bien sûr. Bon cheval. C'est comme ça qu'on monte. Les chevaux, bien sûr. Et c'est par ici. Hop là, et on descend tout ce qu'on a monté. C'est formidable. Yeah! Yeah! Oh, c'est magnifique là. Regardez cette étendue d'eau là. Top! Non, on va s'arrêter là parce que. Les guerriers héros ont besoin d'aide. Ah! Ferme Boadas. Attendez parce que c'est très joli là. C'est très joli. Allez. C'est bon, ils sont prêts pour l'embuscade. Ils sont où les guerriers qui ont besoin d'aide? Ah bah c'est eux du coup, oui. Oui. Il y en a que 4 en fait à fumer là. 5? C'est rien. C'est rien ça. Ça va aller très vite. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Merde. Voilà. Ah, ils sont quand même un petit peu plus nombreux, mais. Eh, hey, franchement, je suis pas bourrin, t'as vu ça? Aucune chance contre nous, pauvre merde! Bah, t'es tout seul en fait. Bah, voilà. Eh, hey, l'embuscade en carton, les gars, t'as vu ça? Ils ont servi à rien, les Rey. Eh, les Rey, venez, j'ai besoin d'aide! Pas du tout. Allez, on récupère la cargaison. Ah, les embuscades, c'est sympa en vrai. Hein. Je fais ça moi tout seul. Voilà, je suis un peu le boss. Très bien, on récupère quoi du coup là? Des niveaux. Vendeur d'armes, nouveaux articles. D'accord. Mais c'est vrai que ça me sert à rien tous ces bonus, hein. Je les utilise même pas. Hein. Mais faudra peut-être essayer d'en profiter quand même. Ne pas oublier de parler à Sigfredo du pélican aperçu dans la montagne. Peut-être que la dame n'est plus là, j'espère que tout va bien. Ça c'est une chasse au trésor, non? Ouais, putain, ouais! 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 C'est bien! Ouais! Ouais, 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 ouais! On est carrément ensemble! Ouais, ouais! Allez, bah on va continuer ici. Sur cette embuscade, et puis après on se fera la base au-dessus. Ouais, 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 ouais! Carrément, les gars! Ouais, ouais! Ouais, ouais! Super, formidable! Putain, les voisins ils vont me prendre pour un con à gueuler comme ça. Allez! Allez, c'est parti! T'as rien à craindre. C'est parti! On remonte. Oh, je voulais pas te faire peur, madame! Excuse-moi. Excuse-moi. Oh putain. Bon, en tout cas, c'est vraiment que du kiff. Hein. Et franchement, je profite un max. Mais je réfléchis à comment je vais faire quand j'aurai fini le let's play. Quand on aura fini l'aventure, les amis. Mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, disons que, voilà, moi j'ai envie de... C'est toujours un bonheur de relancer Far Cry. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais plus relancer Far Cry? Enfin, acheter un coup d'œil. Qu'est-ce que t'as pour moi? C'est triste. Il va pleuvoir des ressources, Danny. L'armée a envoyé un largage et il nous le faut. On arrive à foutre. Là-bas avant les soldats et récupère. On a rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Doucement. Allez, viens, on coupe. Doucement. Yalla. Ok, tu veux pas, hein? Eh bah tant pis, je continuerai sans toi. C'est tout. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'il se passe? Je devrais les aider. Putain, ça me rappelle de mauvais souvenirs. 1, 2, 3, 4, 5... Et là, il y a les Rey. Il y en a là aussi. T'inquiète, regarde. Eh. Oh, et c'est quoi un coup de RPG? C'est réglé en vrai. Hein. Oh, j'ai un peu chié dans la colle. Attends. Je suis pas l'un des meilleurs. Ils vont se cacher, les salauds. Attends. Ça va pas aller, ça. Bon, toi, j'ai compris.
J'en peux plus. Allez, on y va. Yalla! Je suis là, les rails. Je suis là, les rails. Voilà. Aussi simple, basique. Mais en fait, je ne comprends pas. Souvenez-vous, au tout début du let's play, comment ça se fait que j'avais merdé? Parce que c'est tellement simple, je ne comprends pas. Bon, après, je connaissais pas encore le jeu, mais... Bien voilà! Embuscade réussie. Facile, basique, simple. On récupère les ressources, là. Catalyseur de Supremo. Formidable. Ouais, bien voilà. Une bonne chose de faite. Cachez votre joie, les gars. Qu'avons-nous là? Bah. Ah, très bien. Ok. Allez. Chers confrères des communications, le fait que l'orientation de notre antenne soit dissimulée par son radome la rend parfaite pour les opérations de surveillance. En conséquence, le gouvernement a redéfini nos priorités. À compter d'aujourd'hui, 85% de notre volume horaire sera consacré à l'interception et au décollage des communications satellites américaines, conformément au protocole Mécouille du manuel. 10% seront alloués aux communications locales, les 5% restantes sont laissées à notre discrétion. Oui, vous pouvez suivre les sursauts radio rapides, on finira par battre le télescope CHIM. Docteur Monsieur Kiros. Enfin, docteur Mathieu, ou Maxime, ou M-Colo. Yaha! Yalla! Allez, à la one again, on va suivre, du coup, centre de télécom de Gran Roca. Donc, on va s'occuper de Yara Télécom, hein, bien évidemment, qui est un service de communication visiblement assez répandu par ici. J'ai besoin d'un véhicule. Ça aurait été sympa. Mais je pense que je vais aller me faire foutre, en plus c'est en haut. Ah bah c'est bon en fait, on y va à pied, c'est rapide. C'est totalement rapide. Bon. En tout cas les embuscades... les doigts dans le cul quoi. Hein. Enfin les doigts dans le nez je voulais dire, pardon. Franchement, c'était d'une simplicité aberrante. Tant mieux. On va pas râler. Oh putain. Alors ça frérot. Ça c'est pas gentil. Hein. Je préfère l'attaquer direct. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Ça m'a fait peur le bruit du dépeçage. Toujours dommage hein, le fait qu'on n'ait pas d'animation de dépeçage, mais bon. On voit le côté positif sur le reste. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh mais c'est... Oh what? Les gars, c'est l'île du départ, là où on a commencé l'aventure, le premier épisode. Oh. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait bizarre de ouf. Oh là là. Incroyable. Et dire que quand on était sur cette île, et qu'on voyait là où on est actuellement, on se disait que c'était du décor. Enfin, c'est fou, quoi. C'est incroyable. Et là-bas, il y a... Ah bah oui, mais là, c'est là où on a continué, du coup... Mais punaise, mais là-bas c'est la ferme des Montero en fait. Non mais c'est un truc de taré malade. Hein. C'est là-bas qu'il y a la ferme Montero, tous les trucs avec aussi les Maximus Matanzas. Eh mais oh, c'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal. Il y a une cache. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Allez, on est arrivé à la base. On entend leur magnifique chanson. Bien évidemment. Hé hey, Clara, je suis à LST et j'ai une immense tour radio en visuel. C'est la tour de transmission, la station d'espionnage personnel de Castillo. Introduis-toi dedans et télécharge tout ce que tu peux. On saura ce que Castillo écoute. Je vois un médecin. Eh B. C'est carrément la base de surveillance personnelle du dictateur. Très bien. Non mais ils sont nombreux de ouf là. Ah ouais. Désactivons l'alarme. Tu l'as vu l'alarme frérot? Ah là. Encore une alarme. Encore une alarme. Très bien. Je vais contourner les gars. Par contre, ils vont voir que l'alarme va être désactivée, je crois. Et ça, c'est chiant. Comment je pourrais monter là? Par là, parfait. J'aurais peut-être pas dû réagir tout de suite en vrai.
Ok, l'alarme elle est de l'autre côté. Alors attendez. Ok. L'alarme. Ah c'est chiant. Ça y est, ils ont cramé. Ah ils ont cramé putain. Vite, faut désactiver l'alarme. Heureusement que j'ai buté personne encore. Ouais, ils font de la tyrolienne et tout. Oh c'est la merde. Oh je me suis mis dans la sauce. Je te vois. Il me faut vite l'alarme là. Je suis dans la merde, je suis stressé là. Ça peut me servir. Là. Elle est pas là. C'est bon. C'est bon. Il y a plus d'alarme. Oh là là, j'ai stressé là. J'ai stressé. Mais maintenant il y aura plus de renfort. Et ça c'est cool. Oh je parle pas trop, je suis tellement stressé. Allez on monte. C'est chez moi ici maintenant. Hop l'ordinateur. C'est pour Bibi. On récupère tout. Les médocs. Qui a fait ça? Bah c'est moi. On récupère la clé. Et on monte. C'est chez moi ici. Incroyable. Bon l'infiltration est réussie au moins. Enfin l'infiltration. Il n'y aura pas de renfort. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. C'est quoi ces explosions là? Perdu la cible. Continue à chercher. Non mais t'as pas perdu la cible, tu m'as jamais vu frère. Ouais désolé les gars, je recharge beaucoup pour pas grand chose hein. C'est des mauvais réflexes de Call of que j'ai. Perdu la cible. Oh là putain, elles vont crever quand même quoi. C'était pas facile facile quoi hein. Ok, une nouvelle base pour nous, pour Bibi. Oh là, et c'est toujours aussi magnifique hein. Pff, oh là 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 là, mais c'est tellement beau. Mais vraiment. Et on a tout sécurisé, c'est tout. Allez, c'est parfait. Peser, remballer, c'est Bibi qui régale. Ça sert à quoi ça du coup? C'est pour faire un hélicoptère, je pense. Ouais. Ah, nouveau site anti-aérien. Oh, bah super, on va se les enchaîner là. On va se les enchaîner. Bon bah là, on aura bien exploré. On a une embuscade ici. Et très sincèrement, on s'en fout. C'est à côté en plus d'une zone qu'on a déjà contrôlée. Donc on pourra stepper si jamais on veut le faire. Là, c'est pas l'objectif. On va s'occuper les amis de ce site anti-aérien si vous le voulez bien. Et pour ça, on va faire un largage aérien ici. Allez, on y va sans plus tarder. Oh, petite musique en fond, etc. Ça fait plaisir. On va enchaîner là-dessus, on va se faire quelques sites anti-aériens et on sera plutôt pas mal. Et pour le prochain épisode, les copains, on continuera l'émission avec la Morales, bien évidemment. Et c'est par là-bas. Très bien. Regardez comme c'est beau. Franchement, le jeu de jour, c'est une pépite, hein. C'est magnifique. Hein. À la Edith qui m'avait dit qu'il fallait que j'augmente la FOV pour que ce soit plus joli ou quoi. C'est vrai que je l'ai jamais fait. Je suis quelqu'un qui dans ce genre de let's play aime bien ne pas augmenter la FOV et profiter du jeu tel qu'il est, et en vrai il est juste déjà magnifique quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gameplay où on voit un FOV assez grand quoi, donc c'est ce qui fait que ça me démarque des autres. Regardez dans l'eau, j'ai l'impression qu'il y a plein de requins, ou c'est moi qui rêve? Il y a plein de trucs qui ressortent un peu, non? On dirait,
Je sais pas, mais j'ai pas spécialement envie d'aller vérifier. J'ai pas spécialement envie d'aller vérifier. Ça m'a l'air d'être très bien sécurisé par ici. Hein. Si tu veux mon avis, je vais prendre cher. Sierra Perdida. Fort. C'est un fort. Donc déjà, pour être venu jusqu'ici, je suis bien baisé. Ok. Eh ben on y va. Hein. On va y aller. Très bien. On va y aller. C'est Fort Boyard ou quoi là? Oh, il va être dur celui-là. Ouh, il va être dur. J'en ai un là. Il est seul. Il est complètement seul. On va le laisser tranquille. C'est pas lui qui va me causer du tort. Je pense. Ce sera le dernier à être mort. Bon, faudrait que je rentre. Mais on va juste faire un petit tour parce que on connaît le jeu. Et on sait qu'à mon avis, on peut escalader à quelque part. Je pense que il y a une entrée à quelque part d'assez sympa. Donc je préfère faire le tour. Parce que regardez ça. Ça, c'est pas laissé au hasard. Totalement. Ok. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de renfort sur les sites anti-aériens. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas. Hein. Peut-être que là, c'est différent. Eh, regardez. Attends. Ben voilà, on est rentré. Y'a quoi maintenant? C'est qui le boss? En plus, y'a personne, c'est safe. C'est très joli. Eh, on visite, hein. On est des touristes, on visite, hein. Waouh. La classe à Dallas. Tiens, prenons un peu de hauteur. Waouh. Eh, les gars, je visite, je profite, hein. Ouais, ça m'a fait peur ce bruit. Ah ouais, petite anecdote. Quand j'ai fait le site anti-aérien qui était ici, c'est la même chose, il y a plein de vagues, plein de falaises, plein de rochers qui volent. Il y a un requin là. C'est totalement un requin ça. Eh bien sachez que j'étais infiltré comme là. Personne ne savait que j'étais là. Hein. Et waouh, El Florencer. Oh, il faut l'essayer ce pistolet, il est magnifique. Et en fait, il y a eu une grosse vague qui a fait peur aux soldats. Et les soldats ont commencé à me chercher. Alors que je n'ai rien fait. C'est excellent. Hein. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc ça pourrait totalement arriver. Je suis un beau gosse. Mais il n'y a personne là. Il n'y a aucun sniper sur les hauteurs, frérot. C'est le pire. Ah oui, non mais d'accord. Ils sont juste tous les trois là, quoi. Ils sont complètement cons. Attends, regarde, on va. Eh, regardez. Une dynamite pour tout faire. Regardez bien. Ah, dommage. Dommage, on avait d'autres. Bah. Là, je l'ai pas vu, lui. Bon, bah voilà. Ah, c'était nul! En vrai, c'était nul. On va détruire, hein, t'inquiète. Mais d'abord. Ouais, bah, ok. Je sais pas où est le truc. Tiens. Cadeau. Ça doit être là derrière. On y va. Allez, ça c'est chez nous maintenant. Ça c'est chez nous. Comment on fait pour aller là? Ah, voilà. Ok. Ok. C'est pas là. Mais il est où le machin là de l'uranium? Ah, il est là. Oh, c'est bizarre, hein. Oh, c'est bizarre un peu, hein. J'ai tout fait à l'envers. J'ai tout fait à l'envers. Bon, on s'occupe de ceux de devant ou pas, là, pour le plaisir? Elle est où? Ah oui, il est plus là. Il doit être... ici. Ah, il y en a même deux, maintenant. Attendez, on va essayer de faire un truc stylé juste pour le fun. Non, range ça, par contre. Là, c'est pour le fun, hein, on n'est pas obligé. Hein. Attendez, regardez, on va faire un enchaînement, les gars. Théma. Et de 1. Et de 2. Hop. Ça dégage. Ce jeu est incroyable. Allez, c'est violent, dis donc. On va s'occuper de ce site anti-aérien. Et pour ça, pareil, on se refait un petit largage aérien pour y aller en volant.
C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Voilà, on avance bien. On avance bien, je suis content. Sans forcément avancer dans l'histoire, et ça c'est vraiment cool. C'est le petit plaisir. C'est le petit plaisir, voilà. Allez, c'est pas la porte à côté, nous on était juste ici avant. Et nous on va là, c'est quoi ça on dirait... Ah mais c'est le musée. Souvenez-vous, c'est le musée où on a récupéré le char, le tank. Et ça c'est la classe, on va bientôt pouvoir continuer eh bien là-dessus. Allez, on y va, tranquillement. Mais je pense qu'on va se prendre une bagnole parce que là, on n'y arrivera pas. Attendez, il y a une base là. Il y a une base là, non? Il y a un campement là. Est-ce que vous croyez que ça passe ou pas? Ça passe pas. Trop le seum. Oh, attendez. Non. Adieu. Oh, j'ai réussi à me sauver. J'ai réussi à me sauver. Range ton arme, par contre. Bon, il y a une base en haut. J'ai pas pu y aller, malheureusement. Très stylé, hein. Ah, bah, ça doit être la... Non, c'est ça. Ok, bon, je sais pas. C'est très... Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Allez, on va demander ma voiture. Ce sera plus sympa. Ce sera plus sympa. Merci frérot. Yo. Ouais. Touche pas au siège, hein. Je l'aime bien comme ça. Ouais, tu me l'as déjà dit. J'avais déjà changé les sièges, de toute façon, je m'en fous. Hop, et on y va. Zéber, dis mon Guigui. D'ailleurs, je crois qu'on avait encore jamais roulé ici. Ce qui nous permet de découvrir de nouvelles routes également. Et c'est pas désagréable. Oh là, c'est la merde. Hop. Oh, attendez. J'ai une idée de dingue. Les gars, normalement, je suis un génie. Hein. Normalement... Yes, ça a pas marché. Laissez tomber. Je me casse. Je pensais que ça... Tu vois, comme une des dernières missions qu'on a fait là. Ah, je suis déçu. Allez hop. Yalla. Trop stylé. En tout cas, elle roule bien dans la terre. Hein. Je dois dire. Oh, mais ça fait peur ça. Il y a des statues et tout. Ah ouais, des hommes préhistoriques et tout. Oh, ça fait flipper, hein. Vallée préhistorique. Oh. Trop stylé. Attends, quoi? Ah oui, on a le droit de prendre des photos. Je croyais que c'était écrit qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos, alors je trouvais ça ridicule. Waouh, bah putain. C'est trop stylé. C'est trop bien. C'est trop bien. Clara, des soldats ont pris le contrôle d'une espèce de parc d'attractions préhistorique. C'est le Vallée Préhistorico. Bienvenue dans le trou du cul de Yara, Danny. Aux dernières nouvelles, l'armée en a fait un garage à hélicoptère. Fonce, et va leur voler de quoi se battre dans les airs. Ah, mais c'est une base FND en plus, du coup. Oh, mais c'est formidable. On fait un enchaînement parfait. Très bien. Très bien. Trop stylé, en tout cas. Trop stylé, il y a une alarme là. Dans cette caméra. Et une caméra. Et l'autre alarme est là. Le piège, j'ai failli me le prendre. Magnifique. Et en effet, ils ont plein d'hélicoptères, visiblement. C'est une zone interdite. Ouais. Pardon, ma sœur. Excuse-moi là, je m'en vais. J'ai pas fait exprès, je te jure. Je savais pas, moi, tu... Ah oui, elle me voit encore. Tirer sur cette alarme sert à rien. Oh là là, elle me voit plus. Un médecin de garde. Oh là là, c'est... Ils sont tellement nombreux. Aïe. Bon, j'ai une alarme devant moi. Mais je vais me faire cramer instant. Et l'autre alarme, je peux pas l'atteindre là. Ok, faut que je m'infiltre. Faut que je m'infiltre.
reste sur tes gardes, Danny. Allez, je vais pas trop parler, les copains. J'ai mis les renforts. Je suis une salope. Oh, je suis une salope. Je suis une vraie salope. L'alarme. Il faut l'alarme. L'alarme. S'il vous plaît, l'alarme. Oh, l'alarme. Oh, je suis deg. Bon, bah, venez, on fait une visite express. Ah, c'est très joli par là. Très joli. Ah, j'ai trop le seum. Et tous les hélicoptères décollent. Ah, j'ai trop le seum. Je suis dégoûté. Ah, je suis dans le mal, là. Deux hélicoptères à abattre, frérot. J'ai plus de supprimo. Là, c'est chaud. Hein. Oh, mais non, attendez. Côté sud. Tu vas bientôt avoir de la compagnie, camarade. T'inquiète. T'inquiète. Déjà, là, je suis en sécurité, en vrai. Bon allez, ça recharge pas, frérot. Bon allez, venez les gars. Nous avons touché. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Camarade, wow. Tes soldats sont en route vers ta position. Merde. Ça passe. C'est bon, les gars. Ok, allez, 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 on y va. Oh putain, c'est chaud sa mère. Ça va péter! Waouh, ils ont des lances quéquettes, mon pote, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais, c'est lui en fait. Il est où? Ok, bah je vois pas où sont les ennemis. Évidemment! Évidemment! Il reste encore un gars là. Putain, c'était juste la caméra. Allez, il reste encore un gars là. Oh putain. Oh les gars, j'étais pas bien du tout là. Comment j'ai foiré ma balle? Et en plus, à la base de la base, j'ai foiré ma balle sur la meuf qui m'a saoulé dès le début. Hein. Oh là là. À part le fait... ouais, bah là, j'ai foiré. Hein. J'ai pas pu récupérer ce qu'il fallait. Première fois que j'ai échoué. J'ai pas pu récupérer les hélicos, je crois. Mais c'est pas bien grave. Oh, punaise. Franchement, à part le fail, vous pensez que je m'en suis bien sorti? Eh ben non, c'est chez nous, c'est trop joli. Hein. Ça roule. Oh, c'est magnifique. Ça dégage. Vous avez rien à foutre là, les gars. Vous avez rien à foutre là. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs à faire ici et à récupérer. Attends, hop, je récupère. Qu'est-ce que tu peux me dire? Camarade, l'armée a installé un poste de contrôle sur une route utilisée par les parias en fuite. Nickel. Il faut que tu le détruises. Merci. Nickel. Dis-moi, c'est où? C'est juste à côté, c'est formidable. On va s'en occuper dans la foulée. Mais, souvenez-vous, il y avait un endroit avec une porte. Hop, j'ai récupéré la clé. Et ben, on va y aller. On va y aller. Et c'était par où? C'était par là. Oh, il y a une grotte et tout, mon pote. Ouais, c'est ça. C'est trop stylé. Et c'était ici. Parfait. La cache thoracique.
Une mitraillette MP34, très bien. On s'en fout complet. Eh bien voilà, une bonne chose de faite, mais quel bonheur. Eh bien, on va pas s'en arrêter là d'aussitôt. Bah non, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Oh là là. C'est d'une beauté. Limite, en vrai, ça me donne des idées que, en fait, quand on aura fini le let's play, on fera des vidéos où on visite, genre ça, par exemple, tu vois. Parce que finalement, on n'a pas tout visité, là. Enfin, un peu quand même, mais en gros, on fait une visite guidée. Ce serait rigolo, hein. Si vous êtes chaud, dites-moi. Et nous, on va s'occuper du poste de contrôle. On va y aller en wing suite. C'est parti. Merde, c'est parti. Yalla. Incroyable. Insane. Yalla, yalla, yalla. Wouhou. Bon, en tout cas, aujourd'hui, pour le moment, les bases des FND, je les ai toutes foirées. C'est pas bien grave, hein. Enfin, je les ai toutes foirées. Niveau infiltration, je parle bien. Elle est où l'alarme, là? Putain, je suis un abruti ou quoi? J'ai du mal à trouver l'alarme. Et vous la voyez, je suis sûr. J'ai un ingénieur. Attends, toi, je t'avais pas vu. Ah, mais elle est là, en fait, putain. Elle est juste là. Une alarme. Voilà, parfait. Ça va aller très vite. Essayez d'appeler des renforts. Ah, ils ont cramé. Et ça va aller très vite. Oh ! Ah, je crois qu'il y a une embuscade. Il va y avoir une embuscade. Oh là, il se passe quoi? Je comprends jamais rien là. Attends, tiens, ça c'est cadeau. Wow! Stop! Bon allez, hop, moi, je suis venu en paix. Arriba, arriba! Je récupère, hein. Alors, ceci sera ma première et dernière déclaration concernant les rapports établis après les incidents survenus au poste de contrôle des steppes d'Isabelle. Vous êtes des soldats de Yara, vous êtes en poste à Isabelle pour capturer tous les dissidents. Vous n'êtes pas là pour gémir et pleurnicher comme des salopes. Oubliez vos superstitions à propos de la gorge. Non, de la... Bon, bref, d'accord. Tiens, je récupère ça. Je récupère ça. Oh, mais ça pète dans tous les sens, là, dites-moi. Bon, ils sont où, là? Comment ça bien faire, là, cette histoire? Hop. Ça, c'est cadeau. Voilà. On y arrive façon M-Colo, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être au début de l'aventure où on fait n'importe quoi, tu sais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, bien voilà. Un énième poste de contrôle qui est pour nous. Viva la révolution. On fera un musée quand ce sera fini. Ah oui, on fera un musée, bien sûr. Comme si on avait que ça à foutre. La cache. Bien évidemment. Hop, la petite glissade pour aller parler à mon rey. Comment ça? Ils réécrivent l'histoire pour faire passer les légendes pour les méchants. Comment ils peuvent faire ça? Les légendes sont des héros. Pas pour Castillo. Ouais? Tu veux toujours être dans un musée? Comment ça va? Ça devrait t'aider un peu. T'as trouvé quoi? Va pas à San Pedro si tu veux faire la fête. Le village a été durement touché quand Benintez a arrêté des traîtres. Ils sont tous pour la révolution maintenant. Tu trouveras sûrement des caches pour la guérilla. Merci, c'est sympa. Tu nous as rendu service, Danny. Ouais. Et pas qu'un peu. Je sais, merci. Il veut me sucer. Du coup, donc ça c'est fait. Eh bien écoutez, on va s'occuper de ce site antiaérien. Voilà, de ce site antiaérien, ça peut être pas mal. Et puis je pense qu'on sera tout bon. Sauf si on découvre encore un nouveau machin. On va y aller, bien évidemment. En largage aérien, ça va de soi, voyons. Ça va de soi. Allez, ce sera je pense la dernière pour cet épisode, pour être très honnête. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Vous avez remarqué, je fais tout pour faire durer la série quand même. Je fais tout pour faire durer cette série qui est juste phénoménale. Et je suis aucunement déçu. Il n'y a pas eu beaucoup de bugs jusqu'à présent. Il y en a eu, hein. Il y en a eu. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il est où le point, là? Hop. Et il fait nuit. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais c'est pas grave, on aura bien profité de jour. Il y a tellement de choses à faire encore. Souvenez-vous, il y a une île qui ressemble à une discothèque, là. Faudra qu'on aille voir, évidemment, incessamment sous peu.
Mais on n'ira pas aujourd'hui. On n'ira pas aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se garde le... Le suspense. On est où là? On est totalement... On n'a pas le droit d'être là. Hein. C'est totalement interdit. Merde. Comment c'est possible qu'autant de fric passe par ici? Hop. Port de la Joya. Très bien. Oh, ça va aller très très vite. Croyez-le ou non, ça va aller très très vite. Hein. Ça, ce qui est bien avec les sites anti-aériens, c'est que... C'est rapide. Alors, on va pas prendre un élan de confiance. On peut pas passer par là. Ouah, tu m'as fait peur, ma sœur. Tu refais plus jamais ça. Hein. Bon, on rentre par où, là? La la la. Elle va par là. C'est bien, il laisse tout ouvert, c'est con. Non mais ça existe pas dans la vraie vie hein, d'être aussi con. Hein. Ta-da-da-da. C'est mille fois mieux que la Marseillaise, dis donc. Je plaisante, hein. Salut, Rouya. Oh, c'est beau. Attendez, c'est beau. Ah, c'est une île, ok. Excusez-moi, hein. Je suis un touriste aussi, hein. Attendez, je veux faire un truc stylé, là. Allez! C'est Bibi qui régale! Hop! Allez, ça dégage! Hein. Ça dégage! Hop! Les temps sont durs pour Yara et nous ne sommes pas tous dignes de lui survivre. Préparez-vous donc à bombarder le port si El Presidente l'estime tomber aux mains des terroristes. Oh! Bon, bah, on a déjà la fin du jeu, les gars! Eh, hey, les gars! On a déjà la fin du jeu, hein. On sait très bien ce qui va se passer, hein. Ça va partir en couille. Bon, de toute évidence, mais on va être bombardé à la fin. Ça va être magnifique, hein. Parce que rappelez-vous que nous sommes soi-disant des terroristes, hein. Surtout ne l'oubliez pas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça que nous sommes vus. C'est logique. Hop. Et bien voilà. Une nouvelle belle chose de faite encore. Je vais aller voir ma sœur là-bas. J'ai des infos. Comment ça va? On a intercepté un message codé disant que l'armée a envoyé un largage. Ah, c'est bien. Arrive là-bas avant les soldats. Il nous faut ses ressources. Merci mille fois. Ah, c'est bien, c'est bien. J'en ai rien à péter. Il se passe quoi là? C'est encore des frérots. Oh, c'est mignon, petit lapin. Oh, petit lapin, c'est trop mignon, les petits lapins. Pardon. Ok. Eh ben voilà une belle chose de faite. Ça, c'est que du bonheur. Et ici, c'est chez nous maintenant. Ici, c'est chez nous. Amiral Benitez, commandante de la marine des FND. Ordure à cravate. Eh, on a plein de nouvelles cibles là. Enfin, il n'y en a que deux du coup. Maria Marquesa. Maria Marquesa, bien sûr, ça fait un petit moment qu'on a mis en pause tout ça. Mais là, on reprendra l'émission. Mais pour le moment, on va vraiment continuer avec les Morales, d'accord? Et on y reviendra, bien sûr. Hein. Et lui, c'est bon, il est mort. C'est fou, hein. Oh, c'est fou. Hein. Bon, les copains, je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Enfin, j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, on va aller là. Harpon. Opération Harpon chez Yelena Morales. N'oubliez pas le pouce bleu et à demain, les amis, pour la suite de notre aventure sur Far Cry 6. Des bisous. Ciao tout le monde.